L'archipel de la Guadeloupe se situe à 45 km de la côte. Cet archipel est soumis à de nombreuses contraintes, des contraintes météo, l'état de la mer, mais également, et il faut toujours y penser, quand une île accueille des gestionnaires, des visiteurs, etc., l'eau est un problème crucial. L'archipel de la Guadeloupe, et plus particulièrement à la Grande Île, il y a à disposition plusieurs sources d'eau. L'eau est présente sous forme de petites sources, de mares, et également sous la forme de sondages au niveau de, au moins d'une grande source. Le problème auquel nous sommes confrontés sur l'archipel est d'abord la collecte de l'eau, mais également la qualité de l'eau. Notre projet se situe au niveau de l'autonomie de l'eau dans cet archipel qui est éloigné. Nous proposons la mise en place d'un dispositif de raccordement, donc, et puis un système de collecte d'eau au niveau des puisards situés à côté des maisons. Ce système de collecte devra être amovible et autonome, c'est-à-dire pouvant fonctionner grâce à l'énergie solaire, plus un système de purification qui rendrait cette eau propre à la consommation. À côté de cela, nous proposons donc la restauration des bâches à eau à côté des maisons pour disposer de l'eau potable.